Allez, sénateur Guy Philippe, nous comptons en ville à ville pour nous réjouir nous matin dans Micro Vérité Radio Téléclair. Bonjour, nous, comment nous y est? Nous là, c'est un plaisir de commencer bon matin. Nous saluons tout le monde qui fait staff, et puis nous saluons toute la population qui a fait de nous tout partout. Bon, nous comptons rejoindre nous là pour nous faire si parler ça ensemble. Merci parce que vous répondez à l'appel là. Nous tenons à l'appel là. Vendredi, nous cherchons un sénateur. Eh bien, nous sommes contents parce que là, nous avons cherché sous plusieurs dossiers et compréhension par où qu'on est comme acteur. Mais gagner question ça, sénateur Guy Philippe, force révolutionnaire d'entente nationale frein. Eh bien, que vous-même, nous avons signature en bas de notre là qui écrit. Et j'en ai déjà dit, le président de la haute cour de justice kenyane, eh bien, sous demande ça, pour refus de déploiement des forces kenyanes en Haïti, et qui, dans l'actualité, a qui font pile remous, pile moun a parlé de qui ça bagaille, faut-il bien, c'est vous-même qui t'a expliqué nous, qui ça question aille, qui ça nous doit comprendre, qui sont qu'a dit population sous démarche ça, matin en amico vérité. Bon, je pense que responsabilité, on est qui dit son leader politique, c'est. Garder pour voir comment le Cabotique est payé dans sa lia. Et nous prenons 4 occupations et militaires de 94 à nos jours. Il va utiliser le pays à rien. Amérique envahi, occupé le pays d'Haïti depuis combien de temps. Et puis après un an, quand on dérape, le pays a vu plus mal. Donc ça n'a pas cherché nous-mêmes, c'est une solution durable. Oui, moi, j'aime des îles déjà. Et nous écrit, et c'est pas moi-même, c'est l'équipe là, et moi-même, c'est mon petit lien. Et nous écrit, la justice kenyenne, nous écrit OEA, Organisation des États américains, nous écrit l'ONU, okay. Et nous écrit États-Unis, nous voyons pour le Congrès américain, nous voyons pour la Russie, nous voyons pour la Chine, nous voyons pour l'Union africaine, pour nous dire et dénoncer qui ça, États-Unis d'Amérique, a essayé de faire en Haïti, a fait en Haïti, okay. Et qui vient tourner en frein pour le développement pays. Donc là nous clair, alors des débats qui clairement dit, m'a connait sous cas numéro quelques bails rapide pour nous là pour mieux capter bien comprendre, des bails qui nous dénoncer clairement à nous gens dit là adressé à ces institutions. Premièrement, il veut une mission internationale qui va même en mission onusienne. Ça veut dire une série de réclames, nous ne pouvons pas réclamer. L'exemple qui vient là, il crase, il brise, il n'y a aucun cadre légal. Deuxièmement, nous qui invitons dans le pays, pas président public, il n'y a pas de responsabilité. C'était Ariel Henry qui est premier ministre. Il n'y a pas de chef de l'État. Donc, loi internationale claire. Donc, Ariel Henry n'a pas aucune capacité légale pour inviter les troupes étrangères à rentrer dans le pays. Non, il va gagner quelqu'un légalement qui a le droit pour inviter tout étranger dans le pays. Et tout ça, tout ça a fait. Pas un monde qui est sûr de qui ça a bien fait. Tantôt aujourd'hui, il a venu de sécurité dans le pays. Tantôt aujourd'hui, non, il a venu là, il a venu protéger l'aéroport, il a venu l'ambassade, ministère, pas national, rien sérieux qui va venir faire pour venir des populations. Et sous ça, sénateur, j'ai l'impression, même le conseil présidentiel qui est là, pas de contrôle sur ce bagage là. Dernièrement, il y a des informations que tu as partagées ici. J'ai l'impression, même si Voltaire, il y a un conseil qui est descendu en bas, c'est accès que tu as besoin pour le garder. C'est un accès pour le balai pour le garder, pour le connaître ce qui a passé dans la base là, comment la base là construit. C'est-à-dire, il n'y a pas de contrôle ni information de ce qui a réglé là. En réalité. Non, ce sont des ordres totales et tout le monde connaît que l'intervention force ça à la ville là seulement pour venir défendre l'intérêt oligarque haïtien et l'intérêt ambassade américaine. C'est pas rien qu'on vient faire. D'ailleurs, après comment le pouvoir qui est en place là, c'est l'ambassade américaine même qui fait le coup de la main, il y a un peu de tout le monde voit que c'est sous pression américaine que pouvoir ça, que ce conseil 9 membres, que ce premier ministre là, tout le monde connaît que le premier ministre, il était premier ministre, il a retiré. Pour question, c'est IRH, COB qui a été débloqué et pour reconstruction Haïti, et que vous avez dit famille Clinton, c'est le représentant d'intérêt, vous avez été mal passé, en pile, vous avez même accusé, d'ailleurs, vous avez dit mandat d'ailleurs pour ça, c'est le 16 mai avant là, pour le cas de rentrer en Haïti, vous avez tiré mandat. On parlait de Gary Goni. Gary Goni, 16 mai, tout passé là, que pour le cas de la Premier ministre, il y exigeait que vous avez tiré mandat, et vous avez tiré mandat immédiatement. Donc, pas un monde qui. Égaré, même l'intérieur de dernièrement, soit disant en discussion entre CP et Premier ministre, sont bluffés. Tous deux gagnent même maître. Tous deux gagnent même maître. Oui, tous deux entités gagnent même maître. Tous deux travaillent pour le même monde,
faire ça au niveau là, c'est piller Haïti et puis craser le pays. Donc moi écrit là, moi écrit là, j'ai une responsabilité et à l'équipe moi pour nous dénoncer bagaille ça, pour nous demander pour bon aide. D'ailleurs, je dis à vous 2500 militaires. On a plus que combien 100 000 jeunes haïtiens qui t'a aimé rentrer dans l'armée, qui t'a aimé servir le pays. Nous gontions pour l'armée d'Haïti. Dans l'état là, nous écrit lui, nous disons pour ça on va renforcer l'armée d'Haïti avec la police nationale. À comme ça qui a bien dépensé pour équipe nèg c'est boire a bien boire violer moun bay choléra bay maladie et puis tourner la caillou. Donc moi dis yo pour qui ça on va investir avec l'agence ça pour yo faire l'armée dans vin jam pour faire police tour en vin jam bay nèg yo formation équipe nèg yo pour nèg yo même yo cap faire face à criminalité que Haïti a vécu aujourd'hui. Donc c'est ça nous dis nous expliquer au mettre quoi à dépenser avec comme ça nous cap bon l'armée sérieux dans le pays avec comme ça nous cap bon police nationale bien équipée bien entraînée cap aider nous joindre une solution de façon durable à problème insécurité. Ça nous de connaître sénateur et monsieur c'est à quoi comme pas nous pour nous renforcer police pas nous pour nous renforcer l'armée pas nous parce que monsieur ça va pas jamais nous comme pour nous renforcer. Il me habite au bal grand cob là pour faire force vini mais c'est une besoin de sécurité c'est cob par nous pour nous renforcer la police pour nous renforcer la médaïti on va nous pas faire tout même si sauf pays n'a fait est-ce que vous pensez que les Kenya va venir là ou va aller dans corridor ou va venir bataille pour nous tout de l'autre côté pour bonne sécurité pour nous il va venir faire non faut que nous ne pas baisser nos mentir. Nous avons l'armée, nous avons jeunes, nous avons la police, nous avons ça, entraîner, encadrer, équiper, payer bon. Parce que l'État s'ouvre la sécurité, il faut investir pour la sécurité. Par contre, si tel fois quand tu as abordé ce boulot, c'est ça, d'après le moine Bruno, bon, qui clair devant nous. Et comme si mandat France est presque fini, tout le monde, pas pour commencer là, non? Mais la finir, c'est pour un an de débat de mandat. La finir en juillet là. Pas tellement pour rentrer. Ni beaucoup rentrer, mandat va finir. Bon, l'autre cop va le débloquer encore. Et comme l'a déjà fait. Comme l'a fait. Pour nous comprendre le problème, non? Parce que moi écrit et. Moi voyez plusieurs lettres. C'est pas seule lettre, moi voyez vous pour payer ça. Le problème Haïti a son problème social. C'est la misère qui la guette dans sa nia là. Base la misère, c'est corruption. C'est mauvaise gouvernance. C'est ingérence américaine dans affaires internes pays d'Haïti. C'est eux qui prennent et qui mènent côté de là qui fait un vivre problème. Nous n'avons pas de problème de sécurité là, pour quelque chose seulement que la police va faire travailler, l'armée travaille, après elle fait travailler. Tout autant, nous pas faire ça pour nous faire, pour nous résoudre le problème social. Nous avons toujours joué un problème ça. Et la police avec l'armée d'Haïti a toujours tout le temps à éteindre du feu. Faut que le gouvernement, faut que les gens dirigent, suspendent les corrompus, faut que suspendent voler comme pays, faut que investissent pour le cap. Alors, sous ça, on parle là, dans pile contradiction voulée. Alors, sous opinion par là, sous question et amnistie, il y a des gens qui clairement, chaque fois on parle de eux, on dit même deal. C'est Guy Philippe a demandé amnistie pour gang. Ou une réponse claire au cap sous dossier ça? Mon cher, chaque fois les gens se crasent en pays, volent en pays, détruisent en pays, occupent en pays, ils ont toujours joué un secteur dans la presse qui se presse mensonge, presque à bailler menti, presque à travailler pour eux. Et puis, même pour bombarder les gens. Ils ont créé une situation là, je dis là, pour nous jouer Haïti que nous gagnons là. Par contre, c'est par hasard pour que nous ayons toutes les âmes dans la main, dans la zone défavorisée. Côté rejoignons encore une fois, qui est-ce qui baille? Côté rejoignons, côté rejoignons, comme vous achetez les âmes. Quand ils jouent, comme vous achetez les munitions, comme au pays des États-Unis, toutes les âmes, toutes les munitions ont sorti la caille sans qu'ils ne soient pas contrôlés. Première puissance dans le monde. Donc, il faut que nous posions des questions au bien. Donc, l'homme parle de amnistie. Autant des nègres parlent, oui, du fait de l'amnistie. Oui, moi, dis-moi. Et me camper derrière samedi, pour nous jouer une stabilité. Oui, pour nous jouer une stabilité, pour nous jouer une tranquillité, il faut que l'amnistie qui baille. Et amnistie qui offre. Et amnistie qui offre, ce n'est pas seulement pour délinquants à sa patte, mais pour délinquants à cravate. Tout. Et surtout pour délinquants à cravate, parce que c'est délinquants à cravate qui baille. Délinquants à sa patte. Donc si nous voulons vivre pour nous mettre sécurité, stabilité, pour tout risque à rentrer dans le pays, pour les gens qui viennent investir dans le pays, pour les Haïtiens qui arrivent à l'étranger, qui rêvent, retourner dans le pays, qui viennent dans le pays, nous-mêmes, il faut créer un environnement comme l'État, il faut créer des conditions pour les gens qui viennent vivre dans le pays, viennent faire tourisme, viennent investir dans le pays. Alors, là, dans la question de l'amnistie, il y a un chapitre extrêmement important. On a parlé de surtout commission, on parlait de ça également, justice et de vérité. Ça sont gros.
rigolo parce que comme tout le monde allait clair ou pas capable d'amnistie c'est que nous pas garder système judiciaire que nous gain là pour ne pas remettre en question pour une justice qui correcte tout d'abord. Moi, des gens qui ont parlé de l'amnistie, qui dit que Philippe dit voilà, l'amnistie est gang, qui Philippe dit c'est la gang qui a réglé. Quand ça, on nous a payé, on a payé, on a voulu monter. On a bien connu que l'homme parle de l'amnistie, on a dit qu'il y a plusieurs points. Il y a une commission véritaire. Comme on est venu pour dire que ça me fait, venir accepter tout le fait et nation. Il y a une justice là. Après, il y a une considération pour les gens, on pardon. Et après, il y a une réinsertion dans la société. Et ça, c'est trois cas pays qui font, et ont des problèmes graves dans nous, dans l'Afrique du Sud. Même les États-Unis sont faits là, dans les années 80. Là. Tout côté a fait, Colombie sont faits avec le président Santos, République Dominicaine fait avec Juan Antonio Guzman qui débat Boroni Cuentanueva. Tout côté a fait. Mais Haïtien lui-même, dit bien qu'on est que Amnistie m'a parlé, c'est pour tout le monde, pour nous réconcilier le pays, pour nous mettre base, pour nous faire une conférence nationale souveraine, pour nous faire un dialogue national, pour nous jouer Haïti besoin. Mais tout problème dans la terre. Il y a brisé. Tout problème là, et dans la commission, oui. Parce que les mecs là réfléchir, ils disent quatre commissions, ils vont mettre des vérités, ils vont mettre lumière sur moi, ils vont arriver à atteindre. C'est une commission en pile fois des groupes, mais aussi une situation amnistie. Mais ça, n'est-ce pas comprendre, tout n'est-ce qui fait commission justice là, avec vérité, hein? Vous pensez que vous avez tout le temps à cabrer la justice parce que vous avez appuyé aux États-Unis, c'est sous l'ordre ambassade à faire toutes les autres ça. Non, le peuple a joué, il a jugé, il a condamné, parce que vous faites payer à trop de temps. Si je dis à la nous, tous les jeunes, dans le ghetto, qui a examiné, c'est parce que chaque grand ministre, chaque grand premier ministre, chaque grand président, quitte ambassade à jouer dans la tête ou bien et yo tellement aimé l'argent, ils volent tout ça qui nous entraîne dans le pays qui nous permettre nous mettre base pour une société plus juste, qui plus égalitaire. Ils ne pas mettre l'école, ils ne pas mettre travail, ils ne pas créer aucune condition pour l'agriculture dans la ville en réalité pour nous faire le peuple nous manger, le peuple nous lever, par contre, comme il a dormi. J'ai qu'à soi bien femme nous, à marcher dans la rue chaque jour, par contre, qui j'ai voulu faire, madame m'a obligé à prostituer tête pour le bon manger, n'est-ce que pensez que son bagage facile en rapide de morale, oui, haïtien, même si bagaille est dur, haïtien va faire ça. Non, haïtien a fait. Et tout le monde a fait. La misère a une extrême. Et seul genre pour nous changer, c'est pour nous combattre la corruption pour tout le monde. Il faut que nous arrêtions, juger vagabond, voler tout comme pays. Que dans le Petro-Caribé, que dans le tremblement de terre, que comme nous rentrer chaque année pour nous dans le ministère, dans le bail, pour faire route, pour faire l'hôpital que vous voulez. Assassin président Jovenel, il faut que nous arrêtions. Vrai assassin. Deuxième ça coule net. En réalité, justice pour les agents de la Félix-Bendonnet en réalité, il faut que les États-Unis revoient les nègres qui ont pris là avec les États-Unis en Haïti pour une justice sérieuse, tendue et jugée. Comment pour les nègres assassiner tous les présidents qui ont pris là, ils ont dit oui, justice ça, c'est les États-Unis à faire. Et quand les États-Unis viennent tourner les nègres là, ils font tendue, ils disent secret d'État. Donc nous même qu'on connaît, qui moque tous les nègres. Il ne faut pas être suspendu. Haïti est un pays souverain. Donc, tout le bagage ça, faut que ce soit. Donc, moi, c'est ça que fait moi, je dis amnistie, l'obligatoire. Dans l'amnistie, il y a justice pour les gens, par exemple, qui sont victimes, les gens qui sont obligés de quitter les cailloux. Donc, jugement fait correctement. Oui, jugement fait. Amnistie, on va vous dire, on joue pour le décret ou libre, tout ça, c'est fait. Après le jugement. Non, il y a tant d'eau. Premièrement, pour qu'il y ait une amnistie, il faut accepter ton fait. Il faut dire oui, on fait ça. Et bien, il veut expliquer. Il faut expliquer comment on fait. Qui est-ce qui faut faire? Qui est-ce qui dit amour? Qui est-ce qui bon ça? C'est parce que vous connaissez ça, monsieur, vous voulez dire réellement. Qui fait qu'on vous appelle comme ça? Oui. C'est ça que vous appelle comme ça. Vous connaissez, vous volez un paquet de corps, vous mettez la République Dominicaine, il n'y a pas chier à partir de la République Dominicaine, États-Unis, c'est la ménage à vivre, c'est la business. Vous connaissez un programme ça, mais ils ne sont pas fait comme ça, elle a retourné dans la caisse Haïti pour nous payer, pour faire route, pour nous électrifier le pays. Tant que les gens qui ont vu le Kenya, ils ne font pas de copes qui vont venir faire un. Pour ça, on va aider une fini et pour le programme président Jovenel pour électrifier le pays. Pour ça, on va faire plus usine asphalte, aider nous, faire bagarre président Jovenel, le président Jovenel, venir donner réalité pour répondre des populations. Pour ça, on va aider une freiner. Exode rural là pour nous créer et conditions pour nous capables dans la section communale là, pour jouer un service, pour nous vivre côté.
Donc je suis là, il y a besoin côté besoin aide yo nous pas joindre yo. Côté vraiment besoin aide nous pas joindre. Équipe de solutions superficielles, tant que vous voyez des millions de gars, bagage by cosmétique net, mais après 1 an 2 ans ou pas là, Haïti tombé du mal et bien du Haïti pas cap diriger Haïti, yo dit que oui, peuple noir lui même il pas cap et grand monde tête lui. Bon, pas jamais bonne chance pour nous prouver tête nous. Yo pas bonne chance depuis après Duvalier pour un gouvernement qui cap mettre et tête lui parce que ambassade américaine contrôler toute bagage. Et comme si la police nationale va gagner monde. Depuis combien de temps, c'est même directeur général, il a changé, il a viré, pas de aucune affaire, on a goûté en bas ou cap monté. Seul gens, seul bagaille pour bien, pour qu'il y ait un chef de police, ou bien pour qu'il y ait un gros soutien à la police là, faut que vous êtes tout l'ambassade américaine. Alors pendant sous question ça, on nous pose une question, on regarde comme ancien commissaire dans la police là, nous connaissons un passage dans la police là, et c'est remarquable. Qui j'ai regardé là, là on a parlé de nouveau directeur général qui sous route pour en tête institution ça, en remplaçant de Frank Selby, qui a plusieurs noms qui ont cité, mais jusqu'à présent, le nom de l'ancien directeur général, Normile Rameau, li sou pelouse là et c'est li jusqu'à présent favorable pour arrêter ta sortie et que qualifié comme directeur général pour ça qui j'ont gardé décision ça qui s'en gardent qui j'ont gardé bon moi même pas je pas fait aucune illusion tout autant haïtien nous va récupérer nous pas prendre contrôle sécurité en main c'est nous même haïtien qui dit décider la loi nous permet de décider pour dire qui est-ce qui va être directeur général mais qui est-ce qui va le décider selon loi organique institution ça yo que l'armée que la police nous pas jamais cap gain sécurité que rivière parce que sécurité n'a toujours dépendre de l'ambassade on connaît tout nèg côté de non menor là que ta chef police pour interview pour venir chef police c'est l'ambassade américaine yo faire sénateur oui c'est un interview pour venir directeur général la police là c'est l'ambassade américaine lui fait. Yo pas cap chef police, yo pas parler avec mon ambassade américaine, yo pas visiter, yo pas visiter. Et double dit nous là. Et double dit nous que Normile Rameau cap tourner là. C'est commissaire qui a parlé. Normile Rameau cap tourner là, c'est ambassade la cap rebali encore, c'est département de l'État. Donc c'est décidé par l'ambassade américaine. Non même non, la police gagne loi organique, gagne livreuse là, gagne livre, la police gagne gens pour mon vin directeur et la police. Yo pas respecter rien. C'est eux qui ont crasé toute institution de l'État, toute institution pays, et puis c'est eux qui ont plein. La loi dit mais qui vient pour le Premier ministre, mais qui bagaille pour respecter pour le Premier ministre. Ils mettent un Premier ministre qui va respecter même deux dans la condition que la loi établit pour le Premier ministre. Donc je dis à là, demain, on va le saisir pour Haïti Bakab, peut-être pas être encore, Haïti Volel, et puis on même encore filmer du feu dans la caille là, on va aller dos et du feu dans la caille. C'est comme ça qu'on fait. C'est l'ambassade américaine qui capitaine. Donc ça pour quoi je t'aime arriver pour nous mon directeur général c'est nous qui choisir ambassade Badin hein? Bon même vous connaissez la police à très bien obligé à poser des questions ça bon qui t'a droit moi parler de la police attendez on parler de directeur de la police qui t'a droit pour d'avoir un agent qui a montré la police pour pas d'avoir liste là bah ambassade américaine avant ah bon même les agents qui a rentré dans la police à fond qu'ambassade gagne yo. Même si a Jean-Pierre a, on m'attendait et sa président Maduro dit dernièrement, président Maduro explique le clair, Venezuela. Il dit que le président Préval de Vincote, il demande qu'elle goûte pour l'armée. Il dit oui, il a pété le fait l'armée. Et puis, là, on commence à prendre toutes mesures pour voir les gens, voir les bagages, ce que, en Haïti, le président Préval de Vincote, il dit qu'il faut camper, l'ambassade américaine n'a pas appelé. Après président Maduro, il ne va pas me dire non, je vais le bout, je vais le message là-bas. Président Maduro, quand il a parlé. Il dit président Matéli, il m'a dit le même bagage là. Il vient prendre toutes mesures pour d'avoir les armes, pour les bagages, pour aider président Matéli. Président Matéli dit un front qui freine, un front qui ralentit. Ambassade américaine bavlé. Ambassade américaine bavlé. Comment vous avez pris des mesures pour nous faire peuple de sécurité pour l'ambassade Abdim? Non. Comment. Bon, moi-même, bagage, je ne vais pas faire contrôle. Pour mettre en bas, gros souris, pour dire mais qui zame nous capable la police, mais qui zame nous capable l'armée. Est-ce que nous avons un pays dans l'état ça? Est-ce qu'un pays qui a privé aucun côté, s'il va y avoir sécurité, s'il va y avoir tranquillité sociale, s'il va y avoir stabilité? Pas de aucun sacrifice qui trop grand pour joindre sécurité, stabilité pour le peuple, pour nous faire un chemin de développement. Et c'est dans le cadre de ça, je pense que un processus d'amnistie est nécessaire. Donc là, ce n'est pas étonnant si nous sommes arrivés dans le niveau ça. Nous avons aujourd'hui pour la police qui n'a pas même gaffité. Nous avons des gens qui ont passé là. Les policiers continuent à mourir. La situation continue à dégringoler. Institution censée agir nous dans le moment où nous parlons là.
Donc, le blanc, l'ambassade américaine est impliqué à fond et il y a une responsabilité totale dans ce qui arrive. Police nationale que vient là, ou clé sous sa matin. Premièrement, il faut que nous disions police nationale, non, il faut que nous structurer. Il faut que vous passez avec fait là-dedans. Parce que en la police, il y a trop d'agents qui travaillent pour blanc et qui travaillent pour nous, il faut que vous passez avec fait. Il faut que nous nettoyons la police. Parce que c'est nécessairement après ça que nous avons Haïti que nous vivons. Une institution qui est censée colonne vertébrale société. Parce que n'y a rien qui a fonctionné si la police a fonctionné mal. Pour l'école, la team, il y a une tranquillité. Pour le chita dans la classe, pour le service faire coup, il faut qu'il y ait une sécurité. Pour le business fonctionner, il faut qu'il y ait une sécurité. Pour le vagabond, il faut qu'il y ait une pile. Dans la nuit, il faut qu'il y ait une balle. Il faut que la police ait une sécurité. Pour aller à l'église, tout le bagaille repose sous dos et sous qualité de travail. La police nationale a fait dans le pays. Et je dis à la police a fait travail qu'elle n'a pas de faire dans la place là. Nous n'avons pas de grande chance pour nous, police, premièrement, que c'est blanc qui occupe. Donc les blancs veulent faire monter. Vannes sécurité, monte vannes. Regardez pour eux. Chaque fois qu'on va voter un bagage dans l'ONU, qui vient pour eux avec des bagages Kenya, ou après blanc, monte volume et sécurité en Haïti. Chaque fois qu'on décision pour moi, après blanc, monte volume. Dernièrement, on va aller voter, dernier bagage et pour Kenya. On va ça a été fait Pétionville, Pèlerin, les gars passent caille par caille, ouvert caille, rentrer dans caille, vous voyez son bagage consacré, blanc, monte volume et sécurité. Il contrôle les policiers, il contrôle les bandits. Lève les faits des gens, il fait. Donc tout le monde perd la vérité, hein? Tout le monde a pris les cordes pendant qu'on peut mourir. Puis le gros problème, nous, ou mettre quoi frame. Puis le gros problème, nous, c'est la misère. Puis le gros problème, nous, c'est les problèmes sociaux. C'est l'injustice sociale. Yo. C'est la partie de l'injustice sociale yo, qui fait tout ça à vivre. Et qui ça cause l'injustice sociale ça, aussi grave en Haïti que misère aussi grave, c'est corruption, c'est mauvaise gouvernance et c'est ingérence étrangère, surtout États-Unis d'Amérique, dans l'affaire interne de l'IA. Bon. Donc, nous, si nous voulons une solution, il faut que nous posions un vrai problème pour nous joindre, pour nous garder comme des racines. Parce qu'on connaît aujourd'hui, pendant que nous parlons là, ou pas un médecin. On met des noms pour 1000 habitants non, en Haïti. On va gagner un infirmier non, pour 1000 habitants en Haïti. Bah, c'est grave. Dans la section communale, n'importe quelle femme qui a permis de faire des complications parce que l'enceinte est mourue. Premièrement, il ne peut pas gagner de santé dans la zone. Non. Deuxièmement, il ne peut pas gagner de route, même si vous avez le route libre, pour aider, il ne peut pas gagner de route pour arriver pour aller dans la santé au cas où il y a Jérémy. Donc, où quitte la population à vivre dans condition ça? Et ajouter à cela, sénateur, question Biden, ce n'est pas deux médecins qu'il prend. Nous perdons plus de médecins. Suite cerveau, ça. Il n'y a pas de gambit. En bon, l'on Canada et les États-Unis. Le plus souvent, il y a plein de monde. Mais on apprend les apprends, non? 60% de apprends, c'est monde qui déjà médecin, infirmière, qui déjà qualifié. Et là, on arrive dans le pays, il n'y a pas quitté le travail sur qualification des gars haïtiens. C'est notre job pour la faire. Donc, un monde qui est premier ou bien deuxième classe citoyen en Haïti, il arrive aux États-Unis, il va dans la 5e, 6e classe citoyen. C'est boîte là pour la voter, c'est bagaille. Donc, vous voyez son plan que nous avons bien pour faire son pays. Et nous comprenons les jeunes qui sont aux États-Unis, nous comprenons qu'il y a le Canada, qu'il y a Chili, qu'il y a le Brésil. C'est nous, même en Haïti, qui mettons au dehors. C'est nous qui poussons dehors. C'est nous qui poussons dehors, qui mettons au dehors. Nous ne sommes pas capables de critiquer. C'est nous qui offrons rien qui fait quitter le pays. Mais pour nous-mêmes, si nous voulons nous dire que nous sommes en Haïti, nous pensons pour Haïti, nous posons des vrais problèmes, nous disons la vérité. Tout le monde peut. L'OM vient de parler, on va aller, Magui, on va aller, quand on parle blanc, blanc, tout le monde. Tout le monde paye. Qu'est-ce que tout le monde paye? Bon, comment on va se mobiliser? On connaît, on va nous parler. Et bon, ça fait un temps, oui, nous ne parler. Nous avons pratiquement moi, nous ne pas parler avant formation. Gouvernement, ça. Là, gouvernement, tu as tout le monde là, obligé de garder mon petit réponse pour ça. Là, nous avons un nouveau gouvernement. Si Gary Connais, j'ai déjà commenté là avec nous. Gouvernement formé, qui ont gardé formation gouvernement ensemble avec l'équipe, qui message, élément qu'il a donné, le visage qui retourne là, de l'autre monde qui part là, qui là, et le discours, on connaît certainement autant de discours qu'on a lors des installations, qui ça s'adjoue comme leader. Bon, moi-même, je ne peux pas critiquer ni condamner les gars inconnus parce qu'ils ont travaillé là, dans la condition. Mais moi, tout, j'ai au plein pouvoir, j'ai mis tout ça au plein pouvoir, moi, je dis qu'on vient ici pour apprendre la condition, ça. Pour qu'on pouvoir, pour obliger de signer, pour qu'on occupation territoire national là. Et là, on connaît bien que les gens ne peuvent pas faire un SLU. Là seulement, nous avons un problème. Mais, il y a des nègres dans l'histoire, nous, qui ont commencé mal. Et puis, qui prennent conscience, qui veulent essayer de changer ça. Donc, le président Lecomte.
Il était président. Il prend conscience et envie de faire changement pour payer tout le monde. Donc, monsieur, il est grand président. Il est obligé de sauter dans le palais national. Et c'est même élite ça, ou sauter. C'est même petit groupe de ça, ou sauter. Même monde qui est président, je viens avec de connivence avec lui. Même Oligarque. Même lui, même. Donc, Gary Conny, il doit avoir un passé que lui, il doit travailler dans la CIRH. Avec toutes les questions posées sous question CIRH. Il y a des droits de Clinton. Ça a ligué droit c'est mon mais nous supposons d'a souhaité que ligué ton haïtien et li ouais que Jean Baila là dans trou balé là bon Haïti va gagner aucune chose encore li font bagaille tant coup président le compte il dit bon c'est haïtien m'a sauver Haïti vous pensez monsieur ca font coup là bon grand pile y a pile d'autres amis qui m'a dit bah ça n'a pas vérité vous êtes à faux coup à la manière de tous ces ouvertures s'il pas fait coup là sous quoi ça s'il pas fait coup là il y a pris Jean là et sécurité à Brigitte Jean-Yala, a toujours continué à piller toute sa guerre. Pour qui les gens pensent que Blanc crase Libye? Blanc crase Libye, c'est pour pétrole, pour stabilité, pour l'argent. C'est peut-être ça qui crase Kadhafi, qui crase Libye. Et je dis à Gadhafi qui est en Libye. C'est peut-être richesse Syrie, qui a laissé écraser Bachar el-Assad dernièrement. Hein. Bon, heureusement, M. Campé, il fait tête. Non, il y a un gros allié tout. Gros allié là aussi. Justement, donc, Blanc, c'est ça, le fait lui-même. Il prend médial, il y a acheté journaliste. Radio, PDG, tout le monde dans le système. Et puis, ils vont nos bagages, ils vont nos réalités. Quand il y a là, il faut comprendre que c'est barbecue qui est bon, c'est Intel qui est bon, c'est Yap qui a bagaille, et c'est Blanc Sauveur. Oh, Blanc, c'est lui qui met du feu dans le cas là, c'est lui qui met des armes, c'est lui qui met des munitions, c'est lui qui m'a fait des ordres là. Pour qui raison à bout de cas en bas la ville là? Pour qui raison à montrer que le cas a paniqué le monde? Pour qui raison Simon a mouru? Il a boulé toi Simon. C'est le message que vous voyez que le pays d'Haïti sont en chaos total. Vous avez même rentré et fait ça, vous voulez faire. Quand on est là, son plan. Et plan, il a exécuté le bien jusqu'à ce qu'on vienne des Haïtiens qui campent et qui disent ok, plan ça, nous ne pouvons pas quitter le bassin. Et nous avons souhaité Gary Conny. Donc, message pour là à M. Matin, après ministre, c'est que vous avez ta... Bon. On sait que dans qui contexte il est là. Dans condition que le prend pouvoir, il connaît le mal prend pouvoir. Il connaît le bagage aucune ni légitimité ni légalité. Il connaît job de mandel faire c'est pas en faveur peuple haïtien. La vient faire. Mandel lui-même, s'il gon 600 de ça vient toujours. S'il gon 600 haïtien toujours. Conseil de bagage de mesure prend au vite. Prend au vite. Prend au vite. Faut le mettre en politique de décentralisation pour tout bon la veille. Faut réviser la politique internationale, la diplomatie, non. Faut réviser, faut le faire. Soit la diplomatie à la brigade d'Aïki qui n'a pas ça. Ah, mais faut le réviser. Eh bien, c'est un nouveau pays, faut que nous fassions de bagages, faut que nous m'aillons. Faut faire réforme du système judiciaire là, avec réforme de la police nationale là. Président Jovenel déclampé là, le président, il dit que nous avons forcé nommer 50 juges corrompus. Mais qui est ça? Qui est le monde qui est forcé au président de la République pour nommer 50 juges corrompus? Qui système qui est force ça? Ah, mais pour nous connaître, un président, pas qu'à résister avec pour nous connaître bagaille ça, il faut amnistie, il faut une réalité. Il faut que nous connaissions que l'elfin dit ça, nous sommes capables d'autres. Si les deux nous comprennent ça, comment pour un président qui a besoin, il faut forcer le nom de 50 juges. Qui est-ce qui est 50 juges corrompu ça? Quand on est aujourd'hui là, dans qui secteur dans le système de justice? Il y a des groupes qui pifent longtemps que le président. Que le président, pas qu'à Isabelle, pour forcer jusqu'à ce qu'elle lui dise ça. Goodbye, oui. On pense qu'il faut que nous mettions en place un cadre macroéconomique qui va nous aider à vivre vraiment dans un développement durable, un développement endogène que nous parlons pour Haïti. Il faut que nous définions ça, un cadre macroéconomique. Ça. Donc on pense qu'il y a des bagages qu'il fait. Et puis, ils vont nos bagages, ils vont nos réalités. Quand il y a faut comprendre que c'est barbecue qui est bon, c'est Intel qui est bon, c'est Yap qui a bagaille, et c'est Blanc Sauveur. Oh Blanc, c'est lui qui met du feu dans le cas là, c'est lui qui met des armes, c'est lui qui met des munitions, c'est lui qui m'a fait des ordres là. Pour qui raison à bout de cas en bas la ville là? Pour qui raison à montrer que le cas en cas a paniqué le monde? Pour qui raison Simon a mouru? Il y a boulé toi Simon. C'est le message que vous voyez que le pays d'Haïti sont en chaos total. Vous avez même rentré et fait ça où vous faites. Quand on est là, son plan. Et plan, il a exécuté bien jusqu'à ce qu'on vienne des Haïtiens qui campent et qui disent ok, plan ça, nous va quitter le bassin. Et nous avons souhaité Gary Conny faire. Donc, message pour là, à M. Matin, après-midi, c'est que vous êtes à.
Bon, conscient que dans qui contexte il est là, dans condition qu'il pour pouvoir, il connaît le mal pour pouvoir. Il connaît pas qu'il aucune ni légitimité ni légalité. Il connaît job yo mandé le faire, c'est pas en faveur peuple haïtien, la vienne faire. Mandé lui-même, s'il gon 600 de ça vienne toujours. S'il gon 600 haïtien toujours. Conseil de bagaille de mesure prend au vite. Prend au vite. Prend au vite. Faut mettre en politique de décentralisation pour tout bon la veille. Faut réviser politique internationale, diplomatie, faut le réviser, faut le faire. Soit la diplomatie à la brigade qui est dans ça. Ah, mais faut le réviser. Et bien, si nous avons pays, faut nous faire. Mais c'est de bagaille, faut que nous m'aillons. Faut faire réforme système judiciaire là, acte réforme de la police nationale là. Président Jovenel de campé le président, il dit que nous forcément nommer 50 juges pour un. Mais qui est ça? Qui est monde qui te force un président de la République pour le nommer 50 juges corrompus? Qui système qui est force ça? Ah, mais pour nous connaître, un président, pas qu'à résister avec. Pour nous connaître, il faut que l'amnistie, il faut réalité, faut que nous connaissions que l'Elfine dit ça, nous sommes capables de nous, si nous comprenons ça. Comment pour le président Kabel Zou, il a forcé le nom de 50 juges. Qui est-ce qui est 50 juges comment ça? Pourtant, il y a aujourd'hui là. Dans qui secteur dans le système de justice? Il y a un groupe qui pifo longtemps que le président. Que le président, pour pas qu'il s'en fasse, il a forcé. Jusqu'à ce qu'elle lui dise ça. Goodbye, oui. Je pense qu'il faut que je mette en place un cadre macroéconomique qui va aider nous. Vivre vraiment dans un développement durable. Développement endogène que nous parlons pour Haïti. Il faut qu'il y ait un défini 4 ça, 4 macroéconomiques ça. Donc, vous pensez qu'il y a des bagages qui le font. Et on a dit, bon, ok, il prend le mal vraiment vrai, mais même j'avais avec le président Lecomte, il prend conscience. Mais s'il connaît édicté blanc, la vie blanc, et avant pour tous, c'est follement des ambassades américaines, s'il a toussé, nous n'avons pas pris aucun côté. Aucun pays n'a pas sauté ni dans la misère, ni dans la pauvreté, grâce à l'aide internationale, grâce à l'aide humanitaire. Ça va qu'on fait. Alors, permettez-moi de poser une question directement matin. Qui j'ai regardé, on est le retour d'un contexte de Camille Edouard Junior, qu'on connaît très bien, comme ancien ministre de justice, là dans la tête primature. Ça va étonner, moi, du, que ce blanc qui a mis le système. Le système, système n'en peut. Il y a qui vient de passer que révolution, comment peuple haïtien accepter l'idée révolution. Il y a peur. Il y a senti un danger. Il y a senti qu'il n'y a pas le temps. Et il n'y a pas le temps, oui. Il y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Le système n'a pas le temps. Il y a connaît que le peuple a gelé l'ouvri. Le président Jovenel a commencé à dire une vérité. Il a commencé à l'ouvrir. Et la révolution a continué à faire le même travail là. Le système n'a connaît. Il y a un dernier temps. Le système n'a vint plus méchant, il vint plus en rater, c'est ça qu'il faut mettre dans ça. Il a commencé tout méchant, tout n'est qui grâce pays dans les derniers 30 années. Comment c'est tout blanc fait pour équipe et puis le mettez là. Bon mon nègre dans le gouvernement ça. Mais bon mon nègre dans le gouvernement ça, qu'on va être content des noms qui impliqués dans la corruption dans la crise Haïti. Bon mon là dedans. Il y a tout là dedans. Donc, après, il y a le dernier match, dernier round là. Il y a ce dernier mi-temps, mais nous sommes toujours là. Nous sommes toujours là pour essayer de comment vous mettre le peuple là, dans le droit, pour nous venger le peuple là, faire comprendre le problème. Et surtout, si nous sommes influencés, on est pour Gary Koni, pour nous dire Gary, quel doit ça qui est passé, baille pays en chance, aider Haïti. Fond bagaille. Haïti besoin de bagaille. Fond bagaille. Moi-même, m'a fait une opposition à la gouvernement ça. Mais c'est une opposition constructive. On va là pour nous demander d'écraser, briser. Ou espérer que la population vienne au soulagement. Exactement. Seul ça m'a demandé, on mette base pour nous en bon Haïti. Et comme monsieur lui-même, monsieur dans la diaspora, nous avons aimé que monsieur travaille vrai pour intégration effective haïtienne qui vivent à l'étranger dans le construction de l'IA. Il faut que monsieur assure, il met cadre pour intégration. Aïssé qui a vivre l'autre bord dans la diaspora pour qu'il puisse être vrai, venir de reconstruire. Bon, en tout cas. Donc, si monsieur fait ça, peut-être m'a dit, bon, peut-être, malgré le rentré dans le petit pot derrière, peut-être l'envie sortir dans le gros pot là. En tout cas, nous espérons que, bon, c'est certain, tout est capable de faire là, et mes salles là, le monsieur. Et que le premier ministre a fait ça que le doué fait. Nous sommes obligés de aller, nous sommes contents de faire ça. Mais bon, il y a passé dans le département là, il y a chargé. Bon, déblosage, on dit Jérémy, question Zangui. Il n'y a pas de problème, non? Il n'y a pas de déblosage. Tout le monde connaît que le ministère de l'Agriculture sont gang qui a dirigé depuis question Zangui avec PIN. On gang qui est dans le ministère? Son gang depuis qu'il a fait PIN et Kounia a fait Zangui. Gredance avec NIP. C'est deux départements qui baillent en pile dans le bail. Donc,
Gandas souffre de lui. Malheureusement pour nous, c'est un monopole lié, ministère de l'Agriculture. Même si on a tout bagage, même si on a envie de faire, même si on a l'argent pour faire, il n'y a pas de bonne autorisation. Parce que l'autorisation, c'est pour qui concerne les milliers. Ah bon? C'est celle-là avec l'équipe. Est-ce que moi-même, on n'a pas de parti vérité? Non, on l'a dit, ça veut dire. Oui, c'est qui concerne les contrôler, commerce, Zangui, dans la Grandance, avec Nanit, et aucun monde n'a pas de autorisation, parce que il paye ministre, qui n'a comme ministre de l'Agriculture, pour assurer qu'aucun autre monde n'a pas de autorisation. Bon, bon défi là, ou même, pas de rien, faut-il bureau là, faut-il bagaille, allez prendre des autorisations pour essayer de bon. D'ailleurs, le nouveau ministre qui monte là, il est en chute avec l'exemple. Non, il dit ministère est vendu, il vendu. Ministère est pour lui-même. Et acheter, oui, groupe qui a acheté ministère. Mais on va pas parler de ça. L'argent content. L'argent content. Donc, moi, j'espère que le premier ministre Gary Conny, s'il a envie, faut pas répondre. Mais c'est ancien allié, oui, qui est un ministère normal. Petit dessaline, moi, Jean-Charles. Mon gros seul allié, c'est le peuple haïtien. Mais l'autre allié, peuple, moi, c'est seul allié. Moi-même, au contraire d'un exemple, moi-même, je ne suis pas ni président, ni ministre, ni rien. Je suis venu là pour job, je suis venu job pour le monde. Je suis venu pour mettre le peuple, sortir dans des écoles. Vous clair sur ça? Vous clair sur ça? Ça va garder M. Blanc, je suis venu pour le président, je suis venu pour le premier ministre, ça fait garder Blanc avec le pouvoir là. Moi, là seulement, pour me dire vérité, aider le peuple, sortir dans des écoles. Merci, sénateur. Changer mentalité, mon yo, puis vous comprendre, responsabilité que vous devez prendre. Ah, n'a pas changé. Je garantis. J'aime tout la moune, c'est le dernier en Europe. Le système n'a pas tombé. Donc, on va combat. Bon, tout le monde. Ou si vous mettez. Le système n'a pas tombé, le système n'a pas changé. Et je garantis que l'équipe n'a pas fait de travail pour ça. Et n'a pas travaillé bien pour ça. Merci, sénateur Guy Philippe. Pas de problème. Merci. Bye-bye.